Sabrina Jérôme, pound it. Boom. Et c'est ça votre mouvement. Tu m'as pas dit que tu... Regardez, il était bronzé. Ouais, alors attends... Qu'est-ce que t'as foutu à... Regarde les visages. Je t'explique. On revient avec les vlogs. Salam alaikum et bonjour à tous les plus francophones. On revient à GM Core. Il est très tôt le matin ici. Il est samedi. Ça me fait bizarre de marcher dans les rues de Paris le samedi. Tout est fermé. Tout est fermé chez vous. Vous adorez vous reposer. Hein? Enfin, l'essentiel. C'est le week-end. J'ai mon rate de critiquer même notre week-end. Il y avait des gens, tu le fais chier, toi. Donc il est, je m'excuse pour l'obscurité. Donc l'aventure continue. J'ai essayé de télécharger le vlog le dernier. Je me réveille ce matin pour le télécharger, pour, comme je vous avais promis. Et devinez quoi? L'internet ici, on dirait qu'elle marche au charbon. Donc la vidéo elle était bloquée, je pouvais pas la, pardon, la charger, pas la télécharger. Je pouvais pas la charger. Et je sais pas, vous allez recevoir le vlog en retard, malgré que j'avais promis. Faut pas me blâmer, faut blâmer votre connexion d'internet. Donc peut-être que je vais pouvoir la charger en air. Là, je suis en direction en air pour faire le coaching one-on-one pour 7 ou 8 personnes, je crois. Et commencer ma journée. J'ai déjà pris le petit déjeuner. Comme d'habitude, j'ai mes repas, voilà. Mais ça continue, hein. Rien n'est donné, comme je l'ai dit. Rien n'est donné. Décalage horaire, ça va, j'ai dormi la nuit passée. Mais je ne vais pas encore m'exciter. Je vais voir ce qui va se passer au milieu de la journée aujourd'hui. Mais c'est OK. Problème avec décalage horaire, si je ne m'entraîne pas, je ne mange pas bien, je suis foutu. Ce qui m'aide le plus lorsque je suis en déplacement, c'est les entraînements, la vérité. Si je m'entraîne, je me sens super bien. Si je mange bien, je me sens super bien. En quelque sorte, je me débarrasse du décalage horaire plus rapidement. Donc voilà, mon cardio, ça me prend à peu près 10 à 15 minutes de marcher de l'hôtel jusqu'en Maison Alfort. Moi, ça me fait un petit peu de cardio. Après le petit déjeuner. Sabrina, Jérôme, found it. Boom. Super cool. Allez, je vais le mettre au milieu. Non, on va te mettre au milieu. Oh. Donc, parle-moi de toi. Moi, ça fait 6 ans que on fait de la musculation. Ok. On est en salle. On est un peu à la maison. Maintenant, on est en salle. Et moi, j'ai pris 20 kilos. 20 kilos. Waouh. J'ai commencé à 67. Super. Je suis à 84 en soi. Ok. Et qu'est-ce que tu veux dans la vie? Je suis façadier. Façadier de bâtiments. Voilà, c'est ce que je me suis. Il faut m'excuser parce que nous. Ah, non, pas de soucis. Ok, façadier. Ok, cool. Et toi? Moi, je suis commercial pour un laboratoire pharmaceutique. Donc, je suis sur la route tous les jours. Et puis, je suis une ancienne gymnaste. Donc, j'ai commencé à faire du sport. J'étais haute comme trois pommes. Des gymnastes Ouais. Beaucoup de souplesse. Beaucoup de souplesse, voilà. Et, tonicité bien, mais pas beaucoup de muscles. Donc okay. Du coup, on est tombés un peu tous les deux en même temps là-dedans. C'est devenu une passion. Okay. Et puis, j'ai fait le top de Colmar l'année dernière. Okay. Et j'aimerais bien refaire une compétition l'année prochaine et prendre encore plus de masse, en fait. Donc, t'es passionné par les compètes. Ouais. Et toi, tu veux pas de compètes? Je vais commencer cette année. Tu vas commencer, ouais. Hein, tes pouces. C'est super cool, c'est super cool. Et c'est ce qui rend cette chaîne encore plus intéressante parce que vous allez vraiment rencontrer des personnes de partout. Elles vendent des médicaments. C'est ça, tu vends des médicaments. Ouais. Voilà. Face à Dieu. Et c'est ça le genre de personnes auxquelles vous devriez vraiment, vraiment vous identifier en quelque sorte. C'est pas juste des gars pro, super musclés qui viennent ici faire les choses pour vous. Je veux partager avec vous des choses comme ça parce que c'est la chose
qui va vous permettre de vraiment, vraiment avancer encore plus dans la vie. Ok? Ready? On va vous montrer quelques exercices, comment je vais travailler avec eux. Let's do it. Vous êtes là-bas. Ils sont là-bas. Donc vous avez pris beaucoup de choses jusqu'à maintenant. Ce qu'on a fait, on a travaillé sur l'épaisseur du dos avec Sabrina et Jérôme qui voulaient travailler sur les pecs. Mais j'ai partagé beaucoup, beaucoup d'astuces avec eux, mais je voulais partager une astuce avec vous parce qu'on vous adore. Et comment faire un T-bar sans vraiment abîmer le bas du dos. Et on va le faire avec des câbles. Vous n'avez jamais fait cet exercice, je crois. Donc, on a besoin d'un step. Ces steps, vous les avez partout, ok? Donc, on va utiliser le step. Vous allez venir de ce côté, s'il vous plaît. Et simple. Comme je t'avais dit, le problème que Sabrina avait, c'est parce que c'était une gymnaste. Donc, elle a une souplesse incroyable, spécialement autour des articulations. Donc, elle avait tendance à ne pas vraiment, vraiment contracter ses muscles proprement. Lorsqu'elle a commencé à vraiment découvrir le vrai sens de l'isolation, maintenant, elle maîtrise comme pas possible. Dans cette situation, les deux, ils ont des valgus qui sont prononcés. Ça veut dire qu'on ne peut pas vraiment faire beaucoup de mouvements avec des barres en précipitation, mais ils peuvent utiliser des câbles. Donc, je leur ai montré des exercices. Cet exercice, on va aussi utiliser les poignets pour qu'ils puissent avoir une contraction maximale sans abîmer leurs coudes et leurs poignets. L'exercice, il est simple. Vous allez vous mettre sur un step et c'est ça votre mouvement. Ouf. Comme je vous ai dit, gardez les coudes à vos côtés, ramenez vos omoplates ensemble, contrôlez la contraction. Et c'est un mouvement qui est incroyable lorsque vous commencez à le maîtriser de plus en plus bien. Le poids doit être augmenté tout doucement par rapport à l'exercice lorsque vous évoluez. La chose la plus importante, j'arrête pas de dire tout le temps, c'est focaliser plus sur maîtriser votre forme, votre isolation. Et dès que vous avez ça, vous allez être parfait. Donc tu peux commencer, tu peux le faire. Alors, je vais diminuer le poids un petit peu. Vas-y, donc ce que je t'ai appris, vous êtes là-bas? Oui, vous êtes là-bas, d'accord. Alors, n'oublie pas ça. Tu sens là? Ramène ça. Super, 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 super. T'as vu le pivotement des poignets, comment ça accentue la contraction? C'est incroyable, hein? Et c'est incroyable ce que vous pouvez faire avec les poignets lorsque vous utilisez des poignets comme ça par rapport à un crochet, ok? Tu sens maintenant? Ouais. Super. Jérôme, vas-y, essaye. Donc la même chose, focalise sur ce que je t'avais. Donc Jérôme, le problème que Jérôme avait, c'était que lorsqu'il faisait ses mouvements de tirage, il a tendance à ramener les coudes vers l'extérieur beaucoup. Donc c'est pour ça qu'il n'arrive pas à vraiment isoler son dos. Donc lorsqu'il a commencé à ramener ses coudes vers l'intérieur et ramener ses épaules en bas et engager ses omoplates, boum, on a fixé le problème. Super, super. Tu sens? C'est beau, hein? Et là, moins de stress sur le bas du dos, vous pouvez, moi j'adore le Teba, ok? Et le poids, il est transféré par rapport à la poulie, donc vous avez plus d'isolation. Avec le Teba, il est super à faire, c'est un exercice de base, le poids, il est au milieu, moins de stress sur le bas du dos, c'est pas comme les rowings avec la barre, où vous avez le poids en avant, vous avez tendance à engager le bas du dos encore plus. Dans la situation du câble, c'est encore moins de blessures et vous n'allez pas vous casser la gueule. C'est pour ça qu'il faut le faire de temps en temps et apprenez ces nouveaux exercices pour vous permettre de vraiment évoluer dans votre transformation physique. C'est beau? Ok, cool. C'est tout pour vous. On se casse. Salut, bye bye. Tu t'appelles déjà comment? Sarah. 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 Sarah, elle est gentille, elle m'a fait deux cafés. Alors, les globis et les globinettes. Toujours à l'hôtel, j'ai même pas encore reçu mes compléments de Prozis. Apparemment, votre DHL
Et ils prennent leur temps pour les livraisons ici. On a fait la commande, ça fait une semaine, du Portugal. Et ils prennent leur temps. Ça a pris 3 jours pour être libéré de la douane. Mais c'est cool, on va pas se plaindre. La vie est belle. La vie est belle ici, malgré qu'il y a... Il pleut, regardez, depuis que je suis débarqué, il pleut tout le temps. Mais c'est cool. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je vais péter comme pas possible aujourd'hui, je suis désolé. Le fromage blanc, c'est la seule chose que je peux avoir. Je pouvais avoir des supermarchés. Et j'ai fait mon truc de flocon d'avoine et muesli avec des bananes et un café noir. Je vais aller m'entraîner. Et il va y avoir Chris Keller qui va venir me reprendre dans pas longtemps. Donc j'ai 2 heures à peu près, je vais aller m'entraîner et l'attendre pour partir chez lui et m'entraîner encore ce soir. Ok, let's go. On va faire une petite séance de jambes. Je suis à Maison Alfort. Voilà, il m'a ça. J'adore cette gym parce que le matin, il n'y a pas beaucoup de monde. Et c'est propre. C'est vraiment propre. Maintenant. Je vais juste faire un petit peu de jambes parce que depuis que je suis venu, j'ai pas fait de jambes. Et moi, il faut pas jouer avec les jambes, la vérité. Je peux rater n'importe quelle partie du corps comme vous connaissez, mais les jambes, je ne vais pas les rater. Parce que ça me donne en quelque sorte un sens d'existence dans le monde de la musculation. Je vais faire des extensions de jambes. Les curls debout, un exercice que j'avais longtemps que j'ai pas fait. Et des fentes. Un peu de fente en marchant, presse jambes, un petit peu de mollet. Je vais faire 4 circuits sans arrêt. Et après, je vais rencontrer Chris. Il va venir me prendre. Et je vais m'entraîner avec lui l'après-midi. Chez lui, on va faire le haut du corps. Ça me permettra de vraiment, vraiment me sentir de plus en plus mieux et d'enlever le décalage horaire. Si vous voyagez et vous avez un décalage horaire, la vérité, vous êtes foutus. Entraînez-vous, ça va vraiment, vraiment vous permettre de vous en débarrasser plus rapidement. Pourquoi je le fais, mais je paye le prix. Je suis en train de souffrir après le fromage blanc que j'ai mangé. Mon estomac me tue en ce moment. Ah. Mais lorsque vous n'avez pas le choix, vous n'avez pas le choix. C'est mieux que rien. Donc pour les gens qui se retrouvent dans des situations où vous pouvez avoir de la protéine par rapport à une source qui est pas aussi pure comme le fromage blanc par rapport au lactose, comme quoi je suis vraiment vraiment intolérant au lactose, et ben vous n'avez pas le choix. Moi, vous avez la protéine, mais vous allez péter. Donc je suis en train de vraiment surveiller qui est derrière moi. Il n'y a personne, heureusement qu'il n'y a pas beaucoup de personnes. Ok, l'essentiel. Je ne vais pas commencer à partager avec vous mes histoires de pète parce que c'est pas vraiment intéressant. Et en quelque sorte, il y a certaines personnes. Oh, tu l'as vu, le James Corr là, il parle de son pétage, sa pèterie. Comme vous voyez, je crée des nouveaux mots français. Allez, Victor Hugo, il est en train de. Il est perturbé dans sa tombe en ce moment. Allez, let's go. Tu m'as pas dit que tu... Regardez, il était bronzé. Ouais, alors attends. Qu'est-ce que t'as foutu à... Regardez le visage. Je t'explique. Attends, avant de parler, on est dans sa toute mobile. Dans sa toute mobile, c'est, regardez c'est la circulation. C'est une smart. C'est une lui, smart. On rentre, regarde comme on est collé. Allez, quoi, il va faire. Alors, he's back avec yes. Moi, regarde la gueule, regarde.
Regarde. Ça, voilà. Une ça, nonne, c'est... on dirait une nonne. Non, non, ça c'est un... Attends, ça c'est un hijab masculin. Le hijab pour homme. Regarde, ça c'est. Tu sais, si j'étais comme ça, ils vont m'arrêter. Hein. Ah bah là, laisse tomber. Fétide bon. Adams, tu connais la famille Adams? Ouais, ah, bah c'est ça. Ok. Allez, vas-y, qu'est-ce que tu viens de dire? Non, je dis, en fait, moi, je, parce que là, comme je vais monter sur scène dans pas longtemps, c'est vrai que tout ce challenge, il est fait pour ça en réalité. Mmh. Donc, je veux pas ressembler, comme je disais sur une de mes stories, à un espèce de vieux poulet jaune. Tu sais que t'as dans ton frigo. Tu sais, le poulet, quand il est pas cuit, il est jaune. Spécialement les poulets ici sont jaunes. Ah, hein. Ils sont super jaunes. Oh là là. Moi, je veux pas ressembler à ça, tu vois. Donc, je suis allé dans un truc du V. Et moi, je fais jamais du V. T'as pas crémé là? Ah non, mais laisse tomber. Ils m'ont tu donné. Tu as crémé? Non, mais attends. C'est ce que je veux dire par crémé. T'as pas mis de crème? Ah non, crémé. Tu mets pas de crème. Non, j'ai cru que tu disais, t'as le pas le bronzage. Non, vous êtes cramé. Cramé, c'est brûlé, c'est ça? Ouais. Et donc, la meuf, elle me dit, mais attention, celle-là, c'est la plus forte. Je dis, c'est bon, je vais gérer. Mais elle m'avait pas dit que c'était la plus forte d'Europe. D'Europe? Non, je déconne, mais c'est la plus forte de la salle. Ah, ok. Et donc, du coup, j'ai fait 15 minutes. Non, mais s'il te plaît. Ils m'ont mis thermostat 12. Tu t'en brûlé, hein? Ah, mais pff, j'ai cramé. Il y a un mec qui est venu, il a mis des petits oignons autour de moi, comme ça, sel, poivre. Ouais. Ah, je suis ça. Un peu d'huile d'olive. Un peu d'huile d'olive. Ah ouais. Et un rôti. Comme kebab. Le truc s'est levé comme ça, et puis ça tournait comme ça. Ah ouais. Un donneur. Ah, voilà. Un donneur. On va l'essentiel. Non, non, j'avoue, j'ai cramé. Oh là là. Donc, je suis chez toi. T'as vu le temps qu'il fait, franchement, je suis désolé. Moi, j'adore, moi, un petit peu, parce que je suis vraiment gâté avec le soleil 24 sur 24. Donc là, ça reste 65 pas days of the year. Hey, tiens, est-ce que ça a une influence sur ton physique, le changement de temps? Est-ce que ça influence? Le mien? Oui, le tien, parce que ça peut se voir, parce que t'es assez sec pour... Est-ce qu'il y a une influence? Par rapport à la rétention d'eau? Ouais, je sais mais, pas. Non, mais je gère, là, je t'ai appris comment gérer la rétention c'est d'eau. Pour... Ouais, non, mais la question, elle est pas pour moi. Ouais. Elle est pour moi? Non, bah non, pas... non, elle est pour ceux qui regardent. Tout dépend, mais physiquement, tout dépendra de ce que la personne fait. Si la personne s'entraîne et fait les choses proprement, je crois pas. Je ne crois pas. Mais mentalement, oui, parce qu'on la déprime avec ça. Ouais, d'accord. Pourquoi, à quoi tu penses? J'ai regardé, il est comme ça. Non, parce que je pensais au plat que tu m'avais fait dans l'avion pour repartir. Ah ouais, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, c'était super. Bien sûr, amigo. C'était... Et tu sais que... Presque, j'avais trop. Tu avais trop? Ouais, 4 plats. Ok. J'en ai mangé un avant de monter dans l'avion. Deux durant l'avion. T'as dormi. Deux durant l'avion. Et tu en avais resté. Attends, hein. Parce que je me suis dit, la tête de ma mère. Bon, c'est une expression, calmez-vous. Ouais. La tête de ma mère que je dors pas. Bah, tu sais quoi, je suis rentré dans l'avion, j'ai même pas vu le mec qui faisait les signes et tout ça. Je dormais déjà, j'étais comme ça. Et toi, tu es parti avec un Norvège. Ouais. Comme moi. Ouais, Norvégienne. Est-ce que tu as payé pour le bagage extra? J'ai payé pour le bagage cabine. Alors, ceux qui vont prendre Norwegian Airlines, ah ouais, hein. C'est 10 kilos, pas plus. Ouais. En normal et 15 kilos en premium. Mais c'est 15$ le kilo. En trop. J'ai payé 180$. Alors moi, écoute bien. Ceux qui m'ont... Attends, j'écoute. Oui. Vas-y. Alors moi, j'ai payé 100$ pour mon bagage. Putain. Moi, je suis habitué, normal. Elle me fait, il faut payer pour votre bagage. Excusez-moi. Non. Ton bagage si. Cabine? Mon bagage pour aller de l'avion, celui de la cabine, j'ai rien payé. Elle m'a dit parce que votre billet, il n'inclut pas vos bagages. J'ai dit, mais c'est quoi ça? Eh bien, les personnes qui ont réservé mon billet d'avion pour venir à Fit Expo, ils ont acheté le billet le moins cher. Bah ouais, mais qu'est-ce que tu veux, c'est... Il va te facturer, c'est pas ça le problème. Mais ça fait chelou, non? Ça fait bizarre. Attends, moi je t'ai pas dit. Ouais. Quand je suis arrivé à la douane, ouais, pour le checkpoint. Ici ou là-bas? Quand je suis là-bas, quand je suis parti de là-bas. Aux États-Unis. Ouais. Ok. Donc je passe je sentais qu'il y avait quand même une espèce de tension, tu vois. Donc je donne ma valise. Oh putain, elle part direct dans le côté là pour être checkée, tu vois. Même moi. Parce qu'il y avait de la bouffe, donc ça fait des formes un peu chelou. Ils se sont dit, il y a un truc bizarre dedans. Mais
Je dis au mec, donc il me dit, je vais regarder dans votre sac. Est-ce que je peux regarder dans votre sac? Je dis, ouais, pas de problème. Donc il regarde et puis il ose pas trop enlever les trucs. Je veux l'aider pour. Je mets ma main sur un truc pour l'aider. Il fait, hey! Put your hands off and get out ou je sais pas quoi. Really? Ouais. Super vénère. Et puis tu sais qu'il y a un temps d'arrêt comme ça. Get out. Il s'arrête comme ça. Ah non, normalement ils sont pas comme ça. Lui il a un problème lui. Non. Super chelou. Et alors attends. Donc il repasse mon bagage, je sais pas combien de fois, un truc. Je prends mon bagage, ok, pas de problème. Je pars, je fais 10 mètres. Et là il y a un gars qui sort d'une porte. Il me fait, give me your boarding pass. Boarding pass. Yeah. Give me your boarding pass, please. Je lui donne. Écoute bien, super flippant. Il va vers un groupe de gens. Ouais. Un moitié flic, moitié mec du FBI, tu vois. Ouais. Et il dit, is it the same guy? La meuf, elle dit, yes, yes. Il répète, il dit, is it the same person? Qu'est-ce que t'as fait? Je sais, j'ai rien fait. Et ils disent, yes, it's him. Et donc, il dit, thank you, sir. Et il me rend mon truc et puis je pars. Putain, mais j'ai stressé, je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Et je me suis dit, peut-être. Mais attends, une chose, le mec qui t'a mal parlé. Voilà. T'aurais dû parler Non, mais peut-être, je me suis dit que peut-être que les mecs du staff sont aussi contrôlés et qu'il a fait trop de zèle et que du coup, les supérieurs ont dit, est-ce que c'est bien lui dont ce gars-là. Que ce gars-là a maltraité, en gros, entre guillemets, tu vois. Ouais. Peut-être que c'était ça. J'ai rien à me reprocher. Ouais. Ah, j'avais quelques. Ouais, parce quelques qu'ils sont polis. De carnitine, hein. Ils sont polis, hein. Ouais, non, mais c'était vraiment chelou. Je me suis dit, moi, il voulait prendre mon sac. Il voulait prendre mon sac Prozis. Oh putain. Il a adoré, il m'a dit, je vais prendre ton sac Prozis, tu peux me le donner. J'ai dit, quatre taf. Il a commencé à rigoler. Ouais. Parce qu'il a vu de la bouffe dedans, il a vu tout. Il m'a dit, il est super, ça. Bah t'as la carrure qui va avec, donc c'est crédible. Ouais, c'est moi il s'est dit, qui dans un avion va manger du poulet mélangé avec des haricots et des brocolis et c'est pas des brocolis. Non, des asperges. Des asperges, brocolis. Asperges, poulet et beurre de cacahuète. Ouais, il s'est dit, alors lui c'est un terroriste, c'est obligé. On fait l'essentiel. Next. Attends, faut que je regarde le rétro, flag. Rétro. Let's go, bro. Bro. Il dort. Ouais. Je vais faire des brioches au chocolat, protéinées. Ok, vous allez adorer. Ouais. Et lui, il va saliver lorsqu'il va se réveiller parce qu'il est en diète. Donc, je suis chez lui. Et. Attendez. Donc, 200 grammes. Ok, la choc. Ok. Okay. À peu près 200 grammes. Attendez. Bon. Ça, c'est très très simple. On va mettre 2 œufs. Mmh. Okay. Et ça, c'est des trucs rapides. Parce que le pancake mix, là, c'est. Il n'y a pas de sucre. Et c'est protéiné. Et on rajoute des œufs. Et parce que je sais que la plupart de vous. Laetitia, ils n'aiment pas manger les. Ouais, je sais. Ils n'aiment pas manger les trucs, les flocons d'avoine. Ils viennent tout juste découvrir les pancakes. Donc, tout petit peu d'huile de riz. Mm-hmm. Et tout doucement, vous commencez à le verser. Tout doucement. Attendez, comme ça, je vais pas. Ouais, moule. Et vous allez mettre de la coco, l'huile de coco
Get closer there. Comme ça, ça va pas coller. Et après, vous allez faire ça. Regardez, si je vais pas mettre le bord, alors regardez-moi ce bonheur. Ouh. Je lèche le plat. Ouh. Il va se réveiller, il va voir. Regardez, comment. Ouh. Ah, j'avoue. Je crois qu'on va rajouter un peu de chocolat. Regardez-moi ça. Boum. Boum. Chocolat noir. Si vous voulez encore plus de chocolat dedans. Donc, je vais mettre juste un petit peu de chocolat dans certains, et d'autres, pas de chocolat. Ok. Comme ça, on aura les deux. Voilà. Et dans le four. Et... peut-être 25 minutes. We'll see you soon. Rapproche-toi, regarde-moi ça. Laetitia, tu vas adorer ça. Regarde-moi ce bonheur. Attendez. Celui-là, il est en train de cracher le chocolat. Regarde ça. Ça crache le chocolat. Voilà, vous n'avez pas besoin de vraiment consommer trop de chocolat. Et c'est super protéiné, c'est super bon. Voilà, le gueule. Qu'est-ce que tu me fais avec ces muffins là? Le mec, je dors. Pendant que je dors, il fait des muffins. Je me réveille, ça sent le chocolat. Il le sait parce que j'ai parlé de toi lorsque tu dormais. Ah bon? Qu'est-ce que tu dis? Il est en train de dormir, le pauvre. Il est en train de chuchoter. Il m'avait dit qu'il allait venir, il n'est jamais venu. Il était couché sur son non, là-bas. Mais dit j'arrive. Il a l'arrivée qui n'a jamais arrivé. Arrivé. Mais je prenais mon élan. Un. Et deux. Et t'as fait ta. Il a chanté hier. Il a cartonné apparemment. Ouais, ça a bien marché. Et, ouais. 600 personnes, ils vous attendaient quand même. 600, ça fait nul. Quand non, mais là. 600. Non, mais ça, c'est l'échauffement. Ouais, non. Non. L'échauffement pour combien? Non, je suis complètement réaliste sur le fait que le groupe, il commence à prendre de l'ampleur. Parce que nous, on doit reconstruire l'image du truc. Parce que les gens nous connaissent sous le nom de G-Squad, sous le nom de To Be Free. Vous êtes partout en ce moment, mais là, vous vous êtes réunis pour faire quelque chose de super. Voilà, on se réunit, mais on s'appelle Génération Boisemont, les gens ne connaissent pas. Et là, ça commence vraiment à prendre de l'ampleur. Mais, le plus grand mais des mémés, c'est le mec qui s'attendait à 200 personnes. Combien il a eu? 600. Ça s'arrête là. Voilà. Hey, t'as bien retenu ce que je t'ai dit. Bien sûr, malgré que le jet lag est en train de me détruire et je suis en train de vraiment penser à la connerie que j'ai faite dont je t'ai parlé il n'y a pas longtemps. De quoi? Instant gratification, bro. Ah non, je croyais que tu parlais du fromage blanc. Oh là là, ils le savent, j'ai déjà parlé de ça. Non. Je suis foutu. Je lui donne à Laetitia, tu as mon fromage blanc maintenant. Il te fait rien le fromage blanc, toi? Non, ça va. Le mec. Ouais, mais ça me détruit, non. Ça. Le mec, il est sur les sites. Oh. Il est sur les sites de basket. Mais ça, c'était aux États-Unis. Ouais. Il y avait la Nike comme Blazer. Ça, t'as un petit de la bave là? Tu vois la bave qu'il avait quand il avait mal aux dents? Bah là, c'est pareil. Comme ça, il est là, il scroll. Il voit les Nike. Mais j'aime pas les baskets. Tu sais, je regarde, ça me dit rien. Mais la Nike Blazer, elle l'appelait mon nom. Et elle m'a pas lu. Elle n'arrêtait pas de m'appeler. Elle est fou, complètement. Mais c'est un psychopathe. Jamcor, viens. Prends-moi. Viens m'avoir. Achète-moi. Mais je ne l'ai pas acheté. Après, je vais partir aux outlets pour acheter une paire de baskets pour mon petit neveu. Et j'appelle le mec, je dis, vous avez des Nike Blazer ici? Je cherchais, le petit problème. Déjà. Au lieu de la laisser là où elle était, je lui demande, le mec, Laetitia, il me fait, non, I can order one for you. C'est-à-dire, je te commande une. Je dis, non, ne t'en fais pas. Je voulais juste la voir. Pourquoi je veux la voir? C'est comme si tu voulais parler à quelqu'un, et tu vois, tu veux pas lui parler, mais vraiment, tu veux lui parler. Vous arrêtez, il faut que je vous merde. Il faut que je vous dise l'histoire de ça. C'est sûr, je vais vous dire l'histoire de ça. Ça va prendre beaucoup de temps. J'appelle le mec, je dis, là, ne me commande rien. Je sors, j'étais tout fier de moi. Après, je passe par un autre magasin. Comme un con, je rentre dedans.
Et elle m'appelle. Elle était en haut, en train de me regarder. Et celle que je voulais. Putain, elle t'a vu? Elle m'a vu, je l'ai vu. Je l'ai pris dans mes mains. Et après, elle me dit, essaye-moi. Essaye-moi. C'est comme si une bombe qui te parle, et tu ne veux pas lui parler, et après tu décides de lui parler, et elle t'attrape. Je l'ai mis dans mes pieds, et après j'ai vu le prix. Mais, alors regarde, alors la meilleure, vous allez adorer la meilleure. Le mec, il m'a dit, ok, je dis, c'est cool. Elle m'a dit, c'est la dernière? Je lui ai dit, c'est la dernière? Il m'a dit, oui, c'est la dernière. Évidemment, mais c'est un vendeur. Non. Écoute, aux États-Unis, si les baskets sont sur le display, comment vous dites display? En exposition. En exposition, et c'est la dernière. Il y a un prix. Le prix, il doit descendre. Donc moi, le mec, j'essaie de me casser de là-bas en lui disant, c'est la dernière, peut-être quelqu'un l'a utilisée, le prix doit descendre. Regardez ce qui s'est passé, sérieux. Après, le mec, il me dit, non, elle est déjà en solde. $55 de $85, je crois. Plus que ça, c'était plus cher, non? Et ben, après, j'ai dit, ok. Oh, la volonté. J'ai fait, ok. Même pas les négocier. Et j'ai même pas... Non, le mec, il me dit... Non, mais c'est un bon prix, $55. Et après, je l'ai acheté. Après, je dis, pourquoi j'ai acheté ce pauvre con? $55, tu peux acheter des... Et après, ma femme, elle m'appelle, et ça, c'est la vérité. Elle m'appelle, elle me dit, hey, il faut que tu payes pour les leçons de Jiu-Jitsu pour Aya. $290. Bim. Et qu'est-ce que tu fais avec tes baskets, maintenant? Et après, j'aurais économisé 235... Non, attends. 290 moins 55, $235. J'aurais juste dépensé 235. Et ben j'ai dépensé $345. Ouais, mais t'as des 290 pour une bonne cause et $55 pour mon idiotie. C'est encore l'idiotie après autant d'années d'expérience de... Et là, toujours, on fait tout le temps les comptes. Des fois, j'ai fait des trucs, je sais pourquoi. Pourquoi tu as fait ça? Et c'est le moment où vous êtes seul et vous voulez faire le compte. Ça arrive à tout le monde, même à moi. Mais j'en fais moins. L'histoire des baskets. Allez, salut, à la prochaine. Je suis un débutant. Regarde ce que j'ai fait. J'ai mis la corde dans le mousqueton. Parce que j'avais pas vu que le truc était là. La honte, je fais ça devant Jamcore DZ. Jamcore. Je suis beau gosse, non, là? Bien bronzé, hein. Allez, vas-y, là. Mais tu me filmes encore! Putain, mais je l'ai coincé à l'Itam Eternal! Ah, ça y est! Voilà, qu'est-ce qu'il y a? Parce que regarde ce que je fais. C'est ma technique à moi, regarde. Je te mets la corde. Et je te mets la poignée après, direct, comme ça, tu gardes le même truc. Tu fais hop, et après hop. Non. Pourquoi? Tiens ça. Pourquoi tu vas mettre ça ici? Ok. Parce que j'ai une meilleure prise. Non. Va ça. Mais moi j'aime bien prendre la poignée. Allez, tiens, prends ton téléphone. On les fait les abdos ou pas? On va faire les abdos maintenant, let's go. En train de s'entraîner à Fitness Park Nanterre, abdos pour s'échauffer et quoi encore, serratus oblique interne externe, et après on va faire un petit peu de haut du corps.
juste pour réveiller un petit peu les fibres. Ce matin, vous m'avez vu, j'ai fait les jambes. Et ce soir, c'est juste conditionnement, juste rester en forme durant ma période ici en France pour ne pas perdre la forme. Donc, je n'ai pas besoin de vraiment me tuer. Et lorsque je repars aux États-Unis, c'est là où je recommence à vraiment continuer mes entraînements comme je le faisais auparavant. Mais pour le moment, c'est juste les entraînements qui vont permettre de me garder ma forme. Ok, let's go. On fait le ménage, on s'entraîne pas maintenant, on ramène les éponges. Let's go, come on, man. Let's go. 1, 2, 3, 4, 5, man, details. 4, come on. 5, 6, come on. 7, encore en haut. 8, come on, man. 9, Je vais dans des salles et je rencontre tout le temps des physiques incroyables. Regardez ce mec. Regardez.
regarde-moi, regarde-moi ce beau gosse. Attends-toi, attends, regardez le dos qu'il a, regardez, regardez ça. Regardez-moi ça. Allez, présente-toi à tout le monde. Moi, c'est Aurel. Aurel, j'ai plus grand air. Et ça, je suis de la muscu et j'ai rencontré aujourd'hui. Super physique, c'est en train de regarder son dos. T'as un beau physique, hein. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Moi, je suis à l'école encore, je suis en BTS. T'as quel âge? 22. 22 ans, what the f. Un super physique, hein. Respect, man. Je viens juste de revenir de ses practice. Did you practice your dance move? Putain, ouais, clac, clac, clac. Il est clair, regardez. Il claque partout. Il est clair, il est claqué en ce moment. Et lui, ça c'est lui qui fait notre pub. Regardez-le, ça c'est l'autre fille. Salut. Mais regardez, quand il est en train de manger un burger. Complètement fou. Il fout de la viande partout sur mon... Chance qu'il a, putain. Mais écoute, tu sais ce que tu dois faire tout à l'heure? Il faut que tu m'emmènes là. Il faut que tu m'emmènes. Écoute, ce burger, il est incroyable. Il faut que tu m'emmènes là-bas. Je vais t'emmener. Regarde le steak, il dépasse. Le steak, il dépasse. Mange, tu peux manger le steak. Le secret dans le bacon de bœuf. Le bacon de bœuf. Pour mon petit bras, c'est très lourd. Ok. Du bacon. Du bacon de bœuf. C'est halal, hein? On s'excite pas, ya, parce que je sais, il y a beaucoup de personnes qui regardent comme ça. Vous savez comment que moi je suis vraiment, vraiment pas de halal. Il faut que tu m'emmènes là-bas. Ça a l'air bon. Ça a l'air bon, putain. Et là, je suis en train de faire le vlog de la semaine. Enfin, le vlog que vous allez regarder de maintenant. Que vous êtes en train de regarder maintenant. Mais ça marche. Et l'autre, il est en train de manger ce burger. Et moi, je vais là. Ah. Et c'est lui qui va produire les pubs que vous allez voir dans pas longtemps. Je vais pas dire quelle pub. Parce qu'on sait jamais, les choses, tu sais. Les choses changent beaucoup chez vous, hein. Moi, je m'excite rien ici, pour rien. Il va y avoir des super pubs. Je vais les voir dans du bon contenu à venir. Voilà. Mais qu'est-ce qui se passe? Tu sais, c'est lui, c'est toi qui a fait ça. Bah ouais. Mais tu sais que. Oh là là. J'ai saoulé un peu vite fait à l'arrache, tu vois, mais c'est mieux parce que c'est plus puissant, tu vois. C'est plus puissant. Et tu as acheté ça combien? C'est rien, c'est sur internet, ça coûte que dalle. Et ça, si tu l'avais déjà. Ouais. Massage. Et moi, c'est là que je me le fais. Moi, c'est là, du bas du dos. Là. Attends, vas-y, tourne la chaise. Parce que si je vais, sinon, je vais taper dans la chaise. Vas-y. Allez, fais face. Ah, mais c'est fou, hein. Chris, tu peux nous expliquer un peu comment t'as fait ça? Non, mais c'est rien, c'est juste une scie sauteuse, j'ai soudé le bout à la... Mais c'est fou, hein. Mais c'est quoi le bout, hein? C'est quoi le bout si les gens veulent faire la même? Bah t'achètes ça sur internet, c'est des petites boules que t'achètes qui se mettent, tu vois, ça se dévisse. Des petites boules en mousse. Voilà, et normalement, cet embout-là, il devrait aller là, mais ça marchait pas parce que je voulais garder ce truc-là, tu vois, je voulais garder ça. Donc je l'ai soudé un peu, bon, c'est un peu dégueulasse, mais... Il est super créatif, hein. Tu fais des trucs incroyables. Mais tu sais que ça, des trucs comme ça, tu sais, ils vendent les masques à 300 dollars. J'ai vu, c'est pour ça que j'ai 400 fait ça. $400. Ah, ça m'a coûté 12 euros. 12 euros et ça, tu l'achètes. Et ça, je l'ai acheté chez Parkside, donc ça coûte que dalle. C'est 40 euros, je crois même pas. C'est fou, hein. Merci, hein. Je me sens mieux, même. Burger, il y a des burgers partout. Regarde. Sandwich, burger, pizza, salade. C'est ce qui vous tue, hein. Non, moi je fais pas partie du lot.
Je fais plus partie du lot. Mais tu sais, de temps en temps, c'est ok. Un sandwich. Là, j'avoue que là, ça commence à être dur. Pourquoi? Ça commence à être dur, mec. La diète, bien sûr. Ouais. Mais tu vois, tu passes par des hauts et des bas. Ouais, mais là, il est où le haut là? Parce que là, ça, c'est bas, et puis ça. Mais le haut, il viendra lorsqu'il décidera de venir. Ah bon? Ouais. D'accord. Il faut tout le temps te poser cette question. Tu mets ça dans la tête. Personne ne t'a poussé à faire ce que tu es en train de faire. Évidemment, bien sûr. Tu le fais parce que tu as un but dans la vie et tu es en train de le réaliser, my brother. Non, je sais. Je viens juste de me réveiller. Il sait, mais je l'ai interrompu quand je suis en train de l'interrompre. L'interrompre, c'est ça? Je l'ai interrompu. Je l'ai interrompu au milieu. Le milieu de sa phrase, c'est toujours le début de la mienne. Voilà, tu prends ça, tu prends ce qu'il vient de dire. Je savais pas que. Tu me mets dans une boîte. Bah, mais vous faites ça à quelqu'un. Lorsque quelqu'un commence à vous interrompre, c'est ça? À vous interrompre, vous lui dites hey, relax, man. Calme-toi. Je savais pas que le milieu de ma phrase était le début de la tienne. Did you get the joke, man? Ouais, je suis mort. Vous avez capté la blague? Vous aussi, vous êtes tous morts de rire. Derrière où? Où? Là-bas. Là-bas? Ils sont morts de rire. Ils sont morts. Ils sont pétés de rire. Donc j'ai dormi un petit peu, je devais manger, je viens déjà recevoir un carton de Prozis, trois cartons de Prozis, ils m'ont gâté, merci Joao si tu es en train de regarder, super gentil parce que... Moi j'ai vu ce qu'il y a dedans, moi. Il y a que des trucs qui te font kiffer que je peux pas prendre, des barres complètement improbables, farandole de muffins, c'est pour mon voyage, pour pouvoir les trucs que vous pouvez prendre, que je veux vraiment vous présenter, que vous pouvez prendre avec vous lorsque vous voyagez, sans et pas cher, que vous pouvez vraiment utiliser durant votre voyage, comme ça vous allez garder votre forme. Jamais, je veux goûter des barres dedans. Pas de barres pour toi, parce que toi c'est un autre monde. C'est toi qui fais la buée dans la voiture là. Quoi, quelle buée? Rien de ça, on voit plus rien. Non, pourquoi? Bah pourquoi? Parce que je sais pas ce que t'as. C'est le café, je crois, non? Parce qu'il est chaud. Rien, voilà, ça y est. Et donc maintenant, on va aller acheter du halal. La viande halal. Et quoi encore? C'est tout. Du ketchup. Ketchup et de l'eau. Et ouais, je vais cuisiner un petit peu chez lui. Et peut-être des flocons d'avoine. Non, on a des flocons d'avoine, ils ont envoyé. Des flocons, j'ai deux boîtes. Ouais, mais attention, ça consomme, hein. Okay, on achète des flocons d'avoine. Ok, let's go. Il souffre en ce moment, le porc. C'est pas bien ce que tu fais, c'est ça. Mais c'est bien, ça te fortifie ton caractère. J'ai pas besoin, c'est du béton armé, c'est de la dynamium. Mais c'est toi qui as choisi de le faire comme ça? Ouais, très bien. Lorsque je l'avais fait chez moi, comment c'était? Dur. Ouais. Faut que tu apprennes à faire ça, c'est facile. Non, mais effectivement, c'est un apprentissage. C'est-à-dire que je suis en train de me connaître. Mmh. Et je me rends compte que je suis beaucoup plus fort que ce que je pensais. Bien sûr. Si tu t'habitues, vous vous adaptez à tout dans la vie. À tout. C'est juste rester dans la merde pendant un bon bout de temps et vous allez devenir des warriors. Et c'est les résultats qui donnent le courage aussi. T'as vu lorsque tu enlèves ton t-shirt ce matin? C'est pour ça qu'au début c'est dur. Parce qu'au début tu vois pas les résultats tout de suite. Mmh. C'est là que tu craques. Quand je vois le matin, je suis... Mais un casse-croûte... Arrête! Putain! Un casse-croûte frite merguez. Tiens, tu vois, regarde. C'est beau. C'est pas bien ce qu'il fait. Des merguez avec du riz. Des merguez et des frites. French baguette. Un peu de mayo, non? Tu veux découvrir quelque chose? Demain, en ce qui me concerne. Si je prenais le frites merguez baguette il y a 20 ans, 25 ans, j'aurais dit waouh, maintenant je peux même pas le manger. Pourquoi? C'est dégueulasse. Si je le mange, c'est la faute de moi. Moi je le démonte. Ça me dit rien. C'est rien.
sérieux. Il y a une seule chose qui me fait plaisir, c'est les mhajib de ma mère. Les mhajib, en 6 jours, tu vas les goûter. Comment tu dis? Mhajib. 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 Le mhajib. Mhajouba. Mhajouba. That's right. Ça y est, il va changer de nationalité, lui. Mhajouba. Alors, comme ça, je n'étais pas sûr. C'est quelque chose de très, très spécial vient tout juste d'arriver. Et lorsque je vous dis, chacun a sa spécialité dans la vie, c'est que chacun est né pour eux, pour faire ce qu'il va. Laisse-moi dire. Allez, vas-y, vas-y. Le gars, on est au boucher de Suresnes, là. Le gars, on lui demande 1 kilo de viande hachée. Boucherie l'esplanade à Suresnes. Il fait comme ça. 1 kilo. Après, on lui demande des boulettes. Après, on lui demande des boulettes. De 150 grammes, il fait comme ça. 150 grammes, et j'ai dit si ça tombe sur 150, je fais 50 pompes. Je suis obligé. Je suis obligé. Allez, tu vas faire les 50 3, bien sûr. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bravo. Just for all this. Donc le boucher, on ne peut pas le mettre en vidéo. On ne sait jamais. Le pauvre, il va être divorcé. On ne peut pas faire ça. Il a une femme, elle est jalouse, elle est... Qu'est-ce que tu fais sur YouTube? En plus, c'est un beau gosse, ça, bon, ça va. Ah, les filles, ah, les filles, si vous voyez ce mec... Qu'est-ce que t'as pris? Qu'est-ce que j'ai pris? Qu'est-ce qu'on achète tout le temps? Dis toujours la même chose. Je me sens un petit peu... Je me sens... Frivole? Non, ça, c'est le shopping à la française avec vos petits paniers roulants. Est-ce que c'est votre lait? Ah, alors là, le lait d'amande. Alors, vous avez du lait d'amande intense. Ça, c'est lorsque vous faites les jambes. Vous prenez du lait d'amande intense. Pour l'intensité? Pour l'intensité, vous prenez du lait d'amande intense. 2,62€. Ça, c'est donné. C'est juste pour... Et c'est du bio. Alors, vous avez du lait d'amande grillé. C'est là que lorsque vous voulez griller vos mollets, vous prenez du lait d'amande grillé, ça va griller vos mollets, spécialement les maghrébins avec des mollets qui sont hauts. La grillade des mollets va se faire avec ce lait d'amande. Après, on va essayer de griller, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais griller, moi j'ai besoin juste de lait d'amande. Et vous avez du soja. Alors, les gens qui veulent avoir des tétons, vous prenez du lait de soja avec de la... Ça c'est pour les femmes, arrêtez de faire les cons, ça c'est nécessaire pour les femmes. Et moi je veux du lait de riz, moi, il n'y en a pas? Le paradis, le lait de riz. Le lait de riz. Tiens, regarde, ah non, oui. Lait de riz, non, nature. Ah non, chanvre. Qu'est-ce que tu veux? Lait de riz nature, prends-moi un s'il te plaît. Ah, tu veux du lait de riz? Ouais, parce que le lait de riz, c'est quand tu ris. Tu ris? Tu rigoles pas. Tu veux rigoler encore plus? C'est pourri. Du lait de riz, encore un petit peu de lait d'amande intense. Ah mais carrément, en perfusion toi. Et tu sais, je reste chez toi 3 jours, 4 jours, c'est ça? Ouais. Et je repars à Montpellier parce que j'ai besoin de ça. Donc on va pas revenir ici, vraiment. Hein? Il faut que je sois en train de penser parce que je suis allé à Montpellier, je veux que j'achète là-bas. Ouais, bah après, c'est toi qui vois. Hein. Oh, j'achète là-bas. Parce que ça fait du poids après, hein, dans tes bagages. Hein. Donc on a ça, et après on va acheter des fruits. Et flocons d'avoine. Prozis, ils ont envoyé des flocons d'avoine. On va les goûter, mais il en faut plus. Il faut en plus parce qu'on est 3 à la maison et on a besoin. Ce que j'aime, la vérité, c'est ces muesli là que vous avez, j'aime bien ça. La décoration sur le je ne sais quoi, j'aime bien ça, ça c'est super cool. Il m'énerve, il prend que des trucs que je peux pas prendre. Mais tu sais, moi, regarde, il y a pas de... C'est parti, le tralala. Je t'avais pas montré. Ouais. Tu te rappelles? J'avais. Regarde, c'est parti, il n'y a rien. C'est vrai, en plus. Eh, ça gigote encore. Ah non, merde. Attends. J'arrête de faire le compte.
y a le moins de... Alors ça, c'est pas... Ah là là, des trucs comme ça, j'aime bien. Le matin, un tout petit peu. Ça, c'est pour moi. Je suis là, moi, je suis relax en ce moment. Hein. Il n'y a pas de déchiquetation. Il m'énerve. C'est tout. Et des bananes. Mais non, mais on n'a pas pris de flocons d'avoine. Ah ouais, les flocons d'avoine, où est-ce que ce sont les flocons d'avoine? Flocons d'avoine. C'est au niveau des chevaux. Ouais, c'est ça au niveau du café, ouais. Deux, allez hop. Allez, deux. Je t'invite, mon ami. T'es sérieux? Bien sûr. Tu viens chez moi, non. Je viens chez toi, je t'invite. Je suis riche. Prends le dernier chèque est de 10 000 euros par semaine. C'est 40 000 euros. Les meufs, tu sais, ils vont croire ça. J'adore leur faire ça, spécialement. Je sais que la plupart de vous, je sais que vous savez que je rigole. Mais... Tu m'as fait peur. Je suis riche. Dégage, comment? Ah, des bananes. C'est cool, hein? Bananes? Allez. Encore un truc que je peux pas prendre. Là devant. Ah, elles sont vertes. Là, prends en sachet là. De toute façon, tu sais que la banane, c'est le fruit le plus toxique. Hein. Il y a que de la merde là-dedans. On va tous mourir, mon ami. Toxique ou pas toxique, vous allez tous mourir. C'est la mort, elle est garantie. Là. Mais elles sont trop vertes là. Regarde-moi ça. Mais ça va. T'es sûr? Ah, le café, il a attaqué les neurones direct. T'es sûr, regarde. Ceux-là, elles sont prêtes à consommer. Ceux-là, elles sont à... Et ça, c'est quoi? C'est équitable. C'est quoi équitable chez vous? Ah, c'est bio, organique chez nous. Ouais. Elles sont petites. Une table, c'est avec 4 pieds. Et là, s'il y a 4 bananes, ça veut dire que c'est stable. Est-ce que tu as vu un Algérien déjà manger une petite banane? Une petite banane? On ne mange pas. Les Algériens ne mangent pas les petites bananes. Il faut qu'elles soient énormes, qu'on puisse la manger. Ah, ici, ça fait rien ici. Tu veux prendre ça? Ouais, allez. Ok. Ah putain, il faut que je prenne de l'eau. Arrête. Mais de l'eau vénère. Moi, je suis pas. Moi, la nuit, tu vas mettre ça devant le chauffage. Ouais. Ça va devenir jaune le lendemain matin. Crois-moi. D'accord. Chercher de l'eau.